Seigneur vous bénisse tous. Kolo apa mbule mino banso. Sommes heureux que vous soyez venus nombreux. Tozali nesengo ete nantine te boye mingi. Pour écouter la parole. Pona koyoka liloba. Pour prendre part à la Sainte Seine. Pona kolia ilambo santo. Vous savez, il y a des hommes qui prêchent et qui effraient les gens pour qu'ils ne prennent pas la Sainte-Seine. Mais nous prêchons pour que tous la prennent. Amen. Même ceux qui se sentent indignes, il y a un digne qui a payé le prix. Amen. Il y a un digne qui a payé le prix. Ah, oya bongi azali wa siko futantalo. L'écriture dit que si ton cœur ne te condamne pas, makumi malobi te soki motema na mokwisi yote. Saint Jean 3. Yohana yambo mokapona misa. Tu as d'assurance devant Dieu. Et oza etinga liboso na Nzambe. Et que tout ce que tu lui demandes, il t'accorde. Penyo sozali kosenga oyo zali kosenga ye azali kopeso yango. Mais juste avant, il est dit, kasi liboso na yango elobami. Mais si ton cœur te condamne. Kasi soko monte manayo mokwisi yo. 1 Jean 3. Mukanda liboso ya mokapo na misato. Verset 20. Molongo ya tukumi bale. Car si notre cœur nous condamne, poete soko monte manabiso mokwisi biso. Dieu est plus grand que notre cœur. Njambe azali munene koleka monte manabiso. Il connaît toutes choses. Ayebi makambo manso. C'est pourquoi il a payé le prix à Golgotha. Yango wana futaki talo na Golgotha. Alléluia. Amen. Auprès de Dieu, nous avons une assurance éternelle. Dans le livre de Jérémie, il y a une parole merveilleuse. Jérémie 31. En rapport avec la restauration. 31 verset 2. Ainsi parle le Seigneur. Nkolo alobi motindo oyo ete. Il a trouvé grâce dans le désert. Ye asili ko zongolo na kati na lisobe. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Libota ya baye basili ko bika na mopanga. Nous avons échappé au glaive. Tosili ko bika ko kima na mopanga. Et nous avons fui, nous étions errants dans les déserts. Et c'est là dans le désert que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Pour Israël, il fut dit, il les a trouvés dans une contrée aux effroyables hurlements. Vous connaissez le passage? Deutéronome 32. Verset 9. 10. Il a trouvé dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables hurlements, il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur seul, pas Moïse, le Seigneur seul, a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Si Jérémie 31, ainsi parle le Seigneur, tu as trouvé grâce dans le désert. Toi, le peuple qui a échappé au glaive. Vous connaissez les réchappés. C'est Sardes. Sali. Sardes. Salade.
C'est l'âge de Sardes. Ils Ce sont les réchappés. Mangone basilikobika ba kima. Dans l'âge de Thyatire. Nakat na ile kona Thyatira. Cette femme mettait tout le monde à mort. Moi si azali kikoboma bato banso. Le cavalier était passé sur un cheval roux. Momatimbalata matai kola na mbalata ya motane. Dans le second saut. Nakat na kangelo mibale. Couleur de sang. Une épée lui avait été donnée. Il mettait tout le monde à mort. Puis dans sa troisième phase, il s'est retrouvé sur ce cheval noir. Et il pesait tout. Une mesure pour le blé. Une mesure pour le grain. Il ne lui était pas permis de mesurer l'huile. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Amen. Alors nous avons échappé au glaive. Et nous avons trouvé grâce dans le désert. Amen. Ils croient qu'ils sont dans une terre riche. Mais ils sont en plein désert. Ils sont assoiffés. Et ils n'ont point d'eau. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors Israël marche vers son lieu de repos. Bien-aimés, nous sommes en pleine marche. Déjà nous avons trouvé le repos. Mais nous devons encore trouver le repos. Déjà, nous avons le repos. Nous nous sommes reposés de nos œuvres. Hébreux chapitre 4. Celui qui a trouvé le repos se repose de ses propres œuvres. Comme Dieu s'était reposé des siens. Cependant, nous marchons vers le lieu de repos. Un plein repos. Où nous allons festoyer. Mais de loin, le Seigneur se montre à toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est-il montré à toi? Amen. 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 Mais c'est important. Qui est celui auquel le Seigneur s'est montré personnellement? Tu as vraiment fait une rencontre avec lui? Alléluia. Amen. De loin, le Seigneur se montre à toi. Alors il te fait une déclaration d'amour. Il te fait une déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Pas un amour limité. Bolingo et tiameli ndelote. Pas un amour conditionnel. Bolingo oyo esengami na makambote. Un amour éternel. Bolingo ya seko. Que rien ne peut briser. Oyo eloko moko te ekoki kobuka. Paul dit qui nous sépara de l'amour de Dieu. Manifesté en Christ. Je t'aime d'un amour éternel. Dans Osée, nous parlons d'aujourd'hui, vous savez. Regardez que tout de suite après, au verset 3, là où il dit de loin, le Seigneur se montre à toi. À moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. Amen. Te conserver ma grâce. La traduction n'est pas très précise. C'est-à-dire tu méritais de la perdre. Qu'on te l'arrache. Mais à cause de l'amour éternel dont je t'aime, je continue à te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen.
vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, nous avons des manquements. Nous les regrettons. Nous ne voulons pas. Nous aimerions ne plus nous retrouver dans ces choses. Mais déjà, nous sommes en marche. Alléluia. Amen. Dans cette marche, nous tombons, nous nous relevons. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais son amour, nous l'avons. Alors, verset 4, il dit, je te restaurerai. Je te restaurerai encore. Et tu seras restauré. Vierge d'Israël. Mais elle vient de Babylone. Souillée. Il la déclare vierge. Azali Korobanete, Azali Moseka. Vierge par sa parole. Moseka n'angela na lilobana ye. Vous qui aimez sa parole, Bino Baebo Lingi Lilobana ye. Qui l'a accepté sincèrement, Baebandimi Ango na monte mesangi bokos. Vous êtes vierge. Bozali Baseka. Oh, ça c'est oui et amen. Oyo Ezali Iyope Amen. Alors, je veux me voir comme Dieu me voit. Et il me voit vierge. Et je veux te voir comme Dieu te voit. Or, Dieu te voit vierge. Alléluia. Amen. Coupable, mais vierge. Des manquements, mais vierge. Namabunga kasibaseka. Incapable, mais vierge. Bozangi makoki kasibaseka. Indigne, mais vierge. Bobongite kasibaseka. Mais digne de la dignité de celui qui est mort pour toi. Kasibobongi na bobongi awa siriko kufa pour toi. Capable de la capacité de celui qui te l'a donné. Namakoki ya makoki na awa siriko peso yango. Pur de la pureté de celui qui t'a aimé. Peto na bopeto na awa siriko linga yo. Saint parce que les racines sont saintes. Mon santo pote mon sister dali mon santo. Alors le repos je l'ai. Boye bopemi nazali na yango. Cependant je tombe. Nzokande nazali kokweyaka. Mais je marche dans le repos. Kasina kotambola kat na bopemi. Allons vers mon repos. Na kokenda ke pe na bopemi na ngai. Que dirions-nous de ces choses? Nous sommes des bienheureux. Amen. Dans Osée, il dit, verset 16, à cause de nos manquements, là, mais de l'amour qui nous a aimés, il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Comme ça, dans le désert, tu auras faim et soif. Chaud et froid. Et tu auras besoin d'aide et d'assistance. Et qui est là? Celui qui est toujours présent. Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dit au cœur de Jérusalem, ses péchés sont pardonnés. Sa servitude est terminée. J'ai payé au double de ses péchés. Là, je parlerai à son cœur. Alors, je lui donnerai des vignes. Et la vallée d'accord. Qui est une vallée du trouble. Et comme une porte d'espérance. Alléluia. Amen.
Quand il t'amène dans le désert, il te conduit dans la vallée d'Akor. C'est-à-dire dans la vallée du trou. Où rien ne marche. Mais ce lieu de trou devient pour toi une porte d'espérance. Amen. Je suis la porte. Et il est notre espérance. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alors quand nous traversons la vallée de la Baca. Vous connaissez la vallée de la Baca. Psaume 84. Si je ne me trompe pas. Commençons au verset 6. Tobanda na mulongo ya moto. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Bapambola mabaye bazali kocheli eikelo na bango kati na yo. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bazali kokuta na mitema na bango banjela ese paswama. Amen. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca. Et jali bango kokati sa mobwa kona Baca. C'est-à-dire la vallée des pleurs. Et niko bete mobwa kona bileli. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors leur force augmente pendant la marche. Oui, ils se présentent devant Dieu à Sion. Tout concourt pour notre bien. Amen. Amen. C'est vrai que notre frère a eu un accident. Là. Les deux jambes cassées. Et cependant, c'est une bonne chose que Dieu a permis qu'il arrive. Les hommes qui ne sont pas spirituels ne comprendront jamais ça. Mais nous, nous comprenons que la vallée d'Akor est pour nous une porte d'espérance. Et que la vallée de la Baca est transformée et est pleine de bénédictions. Alléluia. Amen. Comment Joseph aurait-il pu arriver en Égypte? Et régner. Et qu'au nom de Joseph, tous genoux fléchissent. Qu'il fasse l'emmagasinage. Et la distribution. Si ses frères ne l'avaient pas haï et vendu. S'ils n'avaient pas été accusés faussement et se retrouvaient en prison. Abandonnés des années jusqu'à ce que la barbe pousse comme un taliban. Mais autant marqué. Il s'est assis sur le trône. Il le fallait. Et les frères ont tremblé. Dis mais notre père est mort. Tu vas nous faire du mal. Il est loin de là. Dieu avait préparé. Que je vous précède. Que vous ayez la vie sauve. Notre Joseph. Joseph nous a précédé. Que nous ayons la vie sauve. Il a été vendu. Il a été à la croix. Et il a été dans le puits. En prison. Il est ressorti. Il s'est assis à la droite. Et un jour. Tout genou fléchira. Il nous a précédés. Afin que nous soyons sauvés. Sauvés. Nous le sommes. Pardonnés. Nous le sommes. Nés de nouveau. Nous le sommes. Fils de Dieu. Nous le sommes. Amen. Des dieux. Des dieux. Nous le sommes. Amen.
Cependant, nous mourons comme des hommes. Mais le psalmiste dit, tu n'es pas né à Kamba. Toi, tu n'es pas né dans le Bandundu. Et toi, tu n'es pas né dans le Kassai. Mais il est dit d'eux. Ils sont tous nés à Sion. Quelle grâce! Alléluia! Amen! Quelle consolation! Amen. Quel amour! Amen. Quelle miséricorde! Amen. Alors dépouillons-nous du vieil homme. Diminuons! Afin que l'huile croisse. Amen. Il faut que le monde le voit. Et le monde ne peut le voir qu'au travers de nous. Alléluia! Amen! Quand Abraham revenait de la bataille, alors Melchisedec l'a rencontré. Oui, Melchisedec a coûté la kinaïe. Et Melchisedec avait amené du pain et du vin. Amen. Melchisedec a même qui lit pendant vino. Alléluia. Amen. Il a dit, tu as gagné. Alors, qui était au longi. Tu peux manger avec moi. Pourquoi coller le mot langaï. Alléluia. Parce Amen. Que ta marche est avec le grand Dieu. Oui, tu es mon bembo. Tu as mis le mot langaï. Tu peux manger. Sans problème. Nalikamboté. Alléluia. Amen. Ils prirent la Pâque avant de sortir d'Égypte. Et chaque année, ils devaient manger la Pâque. Mais Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, nous ne prenons pas la Pâque. Mais nous sommes dans la fête de Pâques depuis Golgotha. Ici, nous voulons prendre la Sainte Sainte. En mémoire de la mort de notre Seigneur. Et chaque fois que nous faisons ça, nous annonçons sa résurrection, sa venue. Ah oui, nous nous réjouissons de sa mort. Pourquoi? Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'avait point de puissance contre lui. Ni de ce jour des morts. Alors heureux soit-il. Oh, qu'il soit loué. Celui qui est mort pour moi et qui cependant vit pour moi et qui a dit parce que je vis, vous vivrez. Un croyant abattu, désespéré, n'est pas un bon croyant. Il y a quelque chose qui va pas. Nous sommes faibles. Cependant, nous sommes forts. Considérés comme morts. Cependant, nous vivons. Considérés comme pauvres. Et cependant, nous sommes riches. Considérés comme des presque rien. Et cependant, nous sommes dignes aux yeux de Dieu. Pour un seul d'entre vous, il peut donner toute une nation. Comme il ne voulait pas que le frère Kang ait des problèmes, la voiture était pleine. Il n'y a que lui qui a été blessé. Tous les autres indemnes. Pour que les suceurs, les prédateurs, les sangsues qui aiment bien nous sucer notre argent là, qui n'aient rien à trouver. Le blessé, c'était le propriétaire. Tous les clients indemnes. Réjouissez-vous. Dieu est bon. Il connaît toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Il aime bien nous garder dans certaines positions. Et comme il devait prendre la Sainte Seine à chaque année, la Pâque, à la dernière Pâque qu'il devait prendre, Jésus prit du pain. Il le rompit.
abukaki yango. Il dit ceci est mon corps. Abiete oyo ezali nde nzoto. Mais où était son corps? Kasi nzoto ezalaki wapi? Il était encore là. Ezala azaki nani? Il a dit ceci est mon corps. Abi oyo ezali nzoto nangai. C'était qu'une représentation. Ezaki obele lilingi. Nous ne mangeons pas le corps de Jésus. Tolia kanzoto na Yesu. Nous mangeons du pain préparé par nos frères dans des fours. Tozali kolia lipe lambami na bandeko na biso na kat na bafour. Mais nous obéissons à un ordre divin. Kasi tozali kotosa na motindo ya Nzambe. Il y a trois ordres obligatoires. Quiconque aime et veut marcher avec le Seigneur, il doit se faire baptiser. Alors, on peut être certain que cet homme a fait une expérience. Il doit prendre la Sainte-Seine. C'est la preuve qu'il marche une vie en conformité avec Dieu. Et quand bien même il y aurait des manquements dans sa vie, en prenant la Sainte-Seine, il prouve qu'il est décidé à marcher en conformité. Alors il se sait indigne. Le pain est là. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas marcher comme ça. Je veux marcher d'une manière qui t'est agréable. Celui qui refuse de prendre la Sainte-Seine, c'est comme s'il disait, je ne veux pas marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et celui qui l'apprend, dis moi je veux marcher en conformité. Mais celui qui l'apprend alors qu'il ne veut pas marcher en conformité, il prend son propre jugement. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nous voulons marcher en conformité. Qui veut marcher en conformité qui dit Amen? La Sainte-Seine est pour ceux qui marchent. Et l'ombre est sainte pour la bonne bataille qu'on tambola. Alléluia. Amen. On a inventé tout un tas de théories. Bah, tu vas cosi cosi ba makamundenge landenge. Nous prenons du pain sans levain. C'est tout. Toko liaka lipezangi fulu esiliwana. Amen. Amen. Et ensuite, nous prenons la coupe. Et ceci est mon sang. Le sang de l'alliance que j'ai versé pour beaucoup. Pourtant, son sang coulait dans ses veines. Donc, c'est quand même du vin que nous prenons. Car juste après, il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Si ce n'est dans le royaume de mon Père. Ah. C'est du vin. Même si on prie, ça reste du vin. Alors n'en prenez pas trop, sinon vous allez vous enivrer. C'est ce qu'il a reproché aux Corinthiens. Vous venez ici pour vous enivrer. Ça reste du vin. Est-ce que nous comprenons la chose? Mais nous sommes décidés à obéir à notre Dieu en tout. Et ensuite nous passons au lavage des pieds. Si lui, le Seigneur, nous a lavé les pieds, nous devons nous le faire les uns les autres. Et dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui ne fait pas ça, n'a pas de part avec moi. Donc, il faut le lavage des pieds. Oh, Pierre était zélé. Oh, Pierre était zélé. Il dit alors pas seulement les pieds, mais tout le corps. Le Seigneur lui dit, si tes pieds sont lavés, mais c'est suffisant. Mais ceux qui m'attendent, vous savez, je n'ai pas le temps de tout lire. N'est-ce pas? Mais nous voulons simplement vous inciter à prendre la Sainte-Sainte. Nous voulons vous pousser à prendre la Sainte-Sainte. Les grands prédicateurs, il prêche avec tant de puissance qu'au moment de prendre la Sainte-Seine, il n'y a que deux personnes qui la prennent.
Mais quand le Seigneur parle, quand il termine, c'est tout le monde qui prend. Tout le monde. Alors tous nous allons prendre la Sainte. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Aya solo. Alors si vous voyez un de vos frères, parce que vous savez qu'il ne marche pas bien et qu'il prend la Sainte, Sainte, priez pour lui. Priez pour lui. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans son cœur. Priez simplement pour lui. Amen. Amen. Ne portez pas de jugement. Aujourd'hui, Dieu pardonne encore. Amen. Il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et cependant, le voleur à la croix n'a pas eu le temps d'aller prendre son baptême. Et il était sauvé. Et chez Corneille, il n'avait même pas eu le temps de prendre le baptême. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Dieu fait les choses comme il veut. Tu es entré ici pour la première fois. Tu réalises que ce qui est dit est vrai. Jésus est Seigneur. Et la gloire de Dieu le Père. Que tout ce livre parle de lui. Et que tu veux marcher avec lui. Que dis-je? Là où tu es assis. Tu as déjà commencé à marcher avec lui. Ton cœur a expérimenté le pardon. Tu sens que ton cœur brûle. Une vie nouvelle est là. Avance dans la foi. Pousse dans la carte de la. Nous ne sommes pas des théologiens. Nous sommes des hommes qui attendons le retour de Jésus. Nous ne sommes pas une église. Non. Nous sommes des hommes qui viennent ici. Est-ce que ceci est un culte? Non, c'est une réunion. Culte veut dire service. C'est quand vous servez Dieu que vous lui rendez un culte. Et c'est une réunion, venez écouter la parole. Alors ce que nous allons prendre, ce n'est pas la communion. Non, c'est la Sainte-Sainte. Non, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Amen. Et si nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans la lumière, nous sommes alors en communion mutuellement les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et un jour, nous serons assis à la table du Seigneur, nous boirons le fruit de la vie avec notre Seigneur. Elongo na nkolo na biso. Avec Abraham, Elongo na Barayam, Isaac, Jacob, Isaac, Yakobo, et tous les autres prophètes. Beba. Ce sont des jours glorieux. Nous sommes à la fin. C'est le rétablissement de toutes choses. L'année 2001 a été formidable. En tout cas, pour moi, elle a été merveilleuse. Je crois que pour vous tous, et à la fin, il y a eu un tournant capital. Nous ne voulons plus faire marche arrière. Nous voulons que 2001 soit encore plus glorieux. Alors que chacun, qu'il veille sur le dépôt qu'il a reçu. Et que chacun rende un culte agréable. Donc qu'il fasse un service. Pour le Seigneur. Nous pouvons tous le servir. Par toutes sortes de moyens. Quand tu manques de tout, tu le sers par tes prières. La prière du juste. A une grande efficacité. La prière du juste ressuscite les morts. La prière du juste chasse les démons.
La prière du juste donne la victoire. D'ailleurs, quand le juste marche, tout le royaume des cieux est derrière lui. Savez-vous que le royaume des cieux vous accompagne? Quand vous marchez, vous pouvez dire à quelqu'un, d'ailleurs, le royaume des cieux est ici. Vous doutez de ce que vous êtes. Jésus était fils de Dieu. Il a dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas le voici, le voilà. Il dit voici, il est au milieu de vous. C'est de lui qu'il parle. Nous aussi nous sommes fils de Dieu. Nés de nouveau. Christ en nous. Christ en amité manabiso. Voici le royaume des cieux est ici. Que dis-je? Il y a ici plus que Salomon. Cette sagesse inégalable. Ici, il y en a plus. L'intelligence de Salomon. Elle n'est pas comparable à celle qu'il y a ici. Parce qu'ici il y a plus que Salomon. Il y a le Dieu de Salomon. Mais avec Salomon il était dehors. Avec nous il est en nous. Et nous sommes l'époux. Nous sommes l'époux. Que dis-je? Nous sommes engendrés. La nature de Jésus, c'est celle que nous avons. Il n'était pas juif. Ne cherchons pas à être juif. Il n'était pas grec. Ne cherchons pas à être grec. Il n'était pas blanc. Ne cherchez pas à être blanc. Il n'était pas noir. Ne cherchez pas à être noir. Qui était-il? Le Seigneur de gloire. Ah, comme il était d'en haut. Si vous êtes mort aux choses de la terre, cherchez les choses d'en haut. Pour Christ, votre vie. Alléluia. Amen. Et cassé. Et bombani. D'où sommes-nous? Nous sommes d'en haut. Nous sommes pèlerins. Alors quand nous prenons la Sainte-Seine, nous rappelons que le premier d'entre nous, à être engendré. Lui le premier fils. Lui le premier frère. Lui le souverain sacrificateur. Lui l'agneau de Dieu. Lui qui est tout en tous. Il est entré en bas. Dans les enfers. Et là il a regardé les incrédules. Il dit vous aviez douté pour rien. Maintenant vous restez ici. Moi je ressors avec tous ceux qui avaient cru. Amen. Déjà quand il parlait, les autres étaient déjà sortis. Mais ils attendaient dans leur tombeau. Et quand Jésus ressuscita, ils sortirent des sépulcres. Amen. Alléluia. Amen. Et les autres ont été obligés de dire Ah. Nous n'attendons pas la démonstration qui vient. Pour nous, c'est maintenant. Que nous savons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Alors que chacun il s'examine. Amitala. Et là où il voit que ce n'est pas correct, mais, il demande pardon. Qui se repent. Qui crie à son Dieu. Qui arrête. Atika. Mais prenez votre sainte. C'est le corps de Christ. Et Christ. Et cependant, ce pain, comme nous l'avons entendu, représente le corps des croyants. Et alléluia. Amen. Et ensuite, nous prendrons la coupe.
et Dieu nous bénira. Benzamba ko pambola biso. Si en mangeant un agneau naturel. Soki kat na kolia mwana na mpate na mokili. Ils ont fait 40 ans dans le désert avec les mêmes vêtements. Basala ki mibutu kumi na mesoje na bilamba moko makwara makolo bango mavimba kite. Et ils étaient pas malades. Pe baba ko ya ki malade. Mais nous en prenant l'agneau de Dieu. Biso kat na kozo mwana na mpate. On marchait pendant combien? Tokoy ko tambola kat na mibu boni. Frère, nous sommes des pèlerins. Bande ko tozali ba lekinze la. Nous sommes des étrangers. Tozali ba paya. Nous sommes des voyageurs. En revenant de voyage, j'ai rencontré un missionnaire. Et missionnaire songolo. Dénominationnel. Un Américain. Et quand on s'est mis à parler, il avait un livre scientifique. Et cet homme démontrait par la science que Jésus a existé. Il me dit, c'est un bon livre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais moi ma Bible me suffit. La Bible m'a démontré à suffisant que Jésus est vivant. Et j'ai fait l'expérience. Je n'ai pas besoin de ce livre. Là. Et nous avons commencé à parler et avec lui. Il m'a expliqué son travail missionnaire. Et je lui ai expliqué le mien. Et il était là. Il ne comprenait rien. Il était trinitaire. On était assis. Lui à gauche. Lui, il collaborait avec tout le monde. Moi, je ne collaborais qu'avec Christ. Lui, il lisait tout. Moi, je ne prenais que ma Bible. Il espérait être vivant. Mais moi, je l'étais. Il espérait ne pas mourir. Mais moi, je savais que je vivais éternellement. On tenait la même Bible. On avait deux dieux différents. Ah, je suis rentré, je me suis dit, Dieu est bon. Amen. Alors, quand je suis descendu sur le tarmac, je marchais comme un fils de Dieu. Je dis, mais j'ai la vie. Et toutes ces choses me seront soumises. Et déjà elles le sont. Et cela ne se voit pas encore. Alléluia. Amen. J'étais heureux. Par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Je souhaiterais que la prochaine fois, vous soyez encore plus nombreux. Il faut prendre la sainte sainte. Il faut prendre, participer au lavage des pieds. Il faut vous faire baptiser. Mais vous qui faites ça, sachez que vous avez pris la décision de ne plus retourner dans le mal. Amen. Amen. J'en vois qui me regardent et qui détournent les regards. Il ne faut pas détourner les regards. Même si vous me fixez, ça changerait. Le problème, c'est vous et Christ. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Un pécheur comme vous, racheté par le sang. Je ne suis pas meilleur. Je connais mes faiblesses. Seulement, je sais en qui j'ai cru. Il m'a dit, même si les montagnes chancellent, mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'alliance que je conclus est une alliance éternelle. Mais dans notre temps, il dit, rassemblez-moi mes saints avec lesquels j'ai conclu l'alliance par le sacrifice. Avez-vous conclu l'alliance? Voici par le sacrifice de l'agneau. Amen. Amen. Alors tout est à vous. Et tout est pour vous. Alors soyez heureux. Ne marchez pas avec des visages abattus. Tout le temps triste. La Bible dit, ce qu'est un homme, ça se lit sur son visage. Moi, je ne comprends pas.
Les élus, même à la pitre de la mort, ils sourient. Ba ponami ata ku feringo mona ba zali kombenya ko seka moke ne sengo. Je me souviens d'un frère. Nako kanisende komoko. Frère Fonsu. Ndeko Fonsu. Il était mourant. Azala ki penza pele na kufa zali koko katata. Et les gens étaient là. Pe ba tuba zali wana. Je leur ai dit, frère Fonsu, ça va? Natale na binde ko Fonsu ça. Il sourit. Ah c'est qui moke? Il dit, abi. Pas de problème. Abi li kambweza te. Je dis voilà un homme. Habitant la mort. Qui a fait une expérience avec son Dieu. Ouais, ça y dit qu'elle est ensemble. Mais d'autres sont vivants. Bah, ça, bah, dans la bombe, oui. Ça va, frère. Ça, on dit, ça va pas. Comme vous simulez. Ça va, sœur. Ça, on dit, de comment. Ah, ouais. De quoi. Ça peut aller. Qui as-tu rencontré? Donc, tu as un agneau. Le roi des rois. Mon cousin Abakonzi. Le seigneur des seigneurs. Nkolo Yabankolo. Le créateur des cieux et de la terre. Le tout puissant. Celui qui n'échoue jamais. L'as-tu réellement rencontré? Si tu l'as rencontré, tout change. Même si tes problèmes étaient comme le sosacom. Ça devient comme un grain de sable. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dieu cherche des vainqueurs. Amen. Que les vainqueurs disent amen. Amen. Que ceux qui savent qu'ils ont vaincu disent amen. Que ceux qui savent que même par terre, qui disent amen. Pourquoi? Le juste tombe six fois. Amen. Et le Seigneur le relève. Amen. J'arriverai. Kokoma solo. Crois-tu que tu arriveras? Amen. On dit bien kokoma. Mais déjà, Libella, j'y suis. Nasi na komi. Y es-tu avec moi? Osali wa le longolangai. Y es-tu avec moi? Osali wa le longolangai. Amen. Avec le Seigneur. Et longolangolo. Alors vous êtes heureux. Oui, papa Mbolami. Réjouissez-vous. Abou Sepelani. Soyez dans la joie. Osala kati. Mon âme exalte le Seigneur. Eli longolangai, Eli connaît la colo. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Eli longolangai, qu'on sepela kati. Car il a fait pour moi de grandes choses. Oui, Osali longolangai, ma kamuminene. Il a renvoyé. Ye azongisi. Les riches à vie. Basi mama kopamba. Mais les âmes. Il les a élevés. A ton moli bango. Tout dorénavant. Bandalelo. Toutes les générations. Ma pota manso. Nous dirons. Ma kolobanabiso. Bienheureux. Batune sengo ba pambolami. Ceux qui ont vu l'achèvement. Ba oye ba moni soukise à makambo. Nous vivons l'achèvement. Toi kobika soukise à makambo. Les nations tremblent de terreur. Bota ba kolinga na somo. Elles ne savent plus que faire. Ba yebise le kokota la tête. L'œcuménisme s'unit avec l'islam, l'islam sous une seule tête. Nous aussi, nous nous unissons sous une seule tête. Christ, Christ. L'écriture est déjà sur le mur. Menez, menez, tekel ou fascisme. Menez, menez, obébete. Pesez, pesez, comptez, divisez. Le monde a été trouvé léger. Dans la balance de Dieu. Nous attendons un royaume inébranlable. Amen. Amen. Alors, quand tout va mal, je souris. Parce que je sais que Jésus va manifester qu'il est le vainqueur. Quand rien ne va plus, c'est alors que tout va bien. Parce que si tu descends, tu n'es que sur la première marche. Mais tu vas continuer à te troubler. Mais continue à marcher. Laisse ta descente aller. Au milieu du feu, c'est là qu'il t'attend. Il ne t'attend pas sur les marches. Il t'attend au fond du feu. Qui a des problèmes?
qui lève la main. Vous avez des problèmes? Vous allez à mais attendez-le. Vous allez. Allez au fond du feu. La moto. Là, Nebuchadnezzar dira. Wana Nebuchadnezzar la koloba. N'avons-nous pas jeté 300? Bissa, tu vois qu'il était bateau basse. Mais j'en vois 4. Qu'est-ce que le moni maman va combiner? Et le quatrième? Peo ya miney. Et comme un fils de Dieu. Attendez le colomone ensemble. Alors. Terminez les problèmes. Oui, ma femme, ma fille. Jésus a vaincu. Yes, ça longaki. Il a possédé. À Sangoli. Les portes de l'ennemi. Ditukeya Monguna. On a dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Balobaki à Samson, les Philistins Banguana, Bakuya les colons. Il a tout coupé. Il a tout coupé. Ah, Kati Katignoso. Il est sorti. Abimaki. Il a vu les grosses portes. Amona Kibikuke Minenewan. Il a dit si je pars, Abisoki na Kei. Ils vont les refermer. Bako Kangango les. Il les a mis sur ses épaules. Apikole Atiangola Mapekana. Il est monté avec à la montagne. Amen. Amatinango Likolo Langomba. La ville des Philistins est sans portes. Ah, Engumba na Philistins est dans les couquetés. Samson a pris les portes. Amen. Samson a fait amener Bikuke. Il est monté avec sur la colline. Alléluia. Il est monté là-haut pour que tout juif qui est dans la ville voit Samson avec le corps. Samson à la Bikuke. Notre Samson. Samson à la Bisso. Est monté à Golgotha. Amataki na Golgotha. Et quand il est ressorti, Dangu ya Bimaki. Il jette les clés de la mort. Alors bien dans l'enfer la coupe. Et du séjour des morts. Mais na yewelo la bawe. Afin que tous ses frères. Na diye te bande kuna enyos. Sache. Baye ba malamu. Que les portes de la mort. Et te bikuke na kufa. Ne résisteront pas devant vous. Bikoki te kote le maliboso na bino. Alléluia. Amen. Quand tu avances, le royaume s'avance avec toi. L'enfer tremble. Croyez-vous cela? Amen. Bon Dieu est bon. Croyez-vous qu'il est bon? Croyez-vous qu'il est merveilleux? Tous vos problèmes sont terminés. Amen. Que ceux qui n'ont plus de problèmes disent amen. Amen. Que ceux qui sont sûrs. Pas parce qu'ils sont capables. Mais à cause de l'agneau. Et qui sont sûrs. Parce que malgré tout, ils ont été appelés vierges. Ils sont sûrs. Parce qu'on l'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa grâce. Amen. Et ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jure par lui-même. Et il dit, je te restaurerai encore. Dieu échoue-t-il? Il réussit toujours. Allons à Katamoyoso. Celui qui croit dit amen. Oyandimialobamen. Nous n'avons qu'un refuge. L'espérance qui nous a été donnée. Et cette espérance. Dans Hébreux 6, l'Écriture dit. Christ a traversé les cieux. Christ a été à Katisi Balola. Il est entré là-bas. À cette espérance, nous l'avons comme une arme. Elika otranga longo. Solide. Yamakas. Et sûr. Peya mama ya solo. Mais qui n'est pas entré dans les eaux. Oye kota kina maibi maite. Il a traversé les cieux. Kasi Katisi Balola. Où Christ est assis à la droite. Et si comme Christ va dans le bocal la mobile na tata. Regardez ce gros bateau. Bota la masoyo monene monene. Qui peut transporter plus de 40 000 tonnes. Le plan fait descendre l'angle. Les vents peuvent être violents. Ça ne veut pas dire que le bateau ne bouge pas. Les vents peuvent être violents. Le bateau part. L'encre le ramène. Ce n'est pas le bateau qui se ramène. C'est l'encre. Longo. Le vent vient. Il souffle. Et pépi. L'encre tient. L'encre le ramène. Allez, on souffle de l'autre côté. L'encre le ramène. L'encre est ici. Bien aimé. Balingami. Les troubles viennent.
Christ nous ramène. Les troubles nous poussent d'un côté. Christ nous ramène. Satan veut nous enfoncer. Christ nous fait ressortir. Et au temps marqué, il nous enlève. Pourquoi craindre? Il a tout accompli. Notre part, c'est de l'aimer. Notre part, c'est de croire. Notre part, c'est d'obéir. Notre part, c'est de faire le pas. Même si je sais que je suis incapable, je fais quand même le pas. Et quand je le fais, je constate que je suis capable. À qui la gloire? À lui soit la gloire. Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Parmi les hommes qu'ils aiment. Et quand Jésus passait, les petits enfants chantaient. Hosanna! 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 Ce qui veut dire, sors! Par miséricorde, sauve! Bikissa! Bikissa! Namaranayo, Bikissa! Namaranayo! Les petits enfants! Banabake! Alors ils ont dit, faites-les taire! Jésus leur a dit, n'avez-vous pas lu? Il va tirer des louanges des enfants aux mamelles. Vous avez vu le petit Moïse Oudiadia ici? Le petit Moïse Oudiadia qu'on vient de consacrer. Si Jésus était passé, il aurait dit sauva Hosanna. Sans avoir appris à parler. Alléluia. Le Seigneur passe. Les bébés partent. Le Seigneur passe. Les morts ressuscitent. Le Seigneur passe. Les malades sont guéris. Le Seigneur passe. Les affamés sont rassasiés. Le Seigneur passe. Les hommes sortent de l'enfer. Le Seigneur passe. On est sauvés. Pouvez-vous comprendre ça? Ça c'est plus grand que tout. Je ne comprendrai jamais, mais je croirai toujours. Amen. 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 Mon Dieu, qu'il est bon. Jean écoute Dieu au ciel. Levons-nous pour chanter. Les invités, les serviteurs à venir. Na kosenga na basali ete baya.
tous ensemble. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous comprendrez que vu le nombre de monde qu'il y a, on ne saurait pas faire un gâteau géant, un pain géant. Le tout, c'est de pouvoir prendre part au pain. Et nous allons passer directement à la Sainte-Seine. Dans Matthieu 26, l'Écriture dit à partir du verset 26, c'était pendant le repas de Pâques. Je crois que nous avons déjà compris que la Sainte-Seine n'est pas le repas de Pâques. Alors au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Amen. Nous allons donc nous lever et nous allons prendre la Sainte-Seine. Dans un esprit de méditation, comme nous l'avons entendu, chacun s'examinant, donnant sa vie au Seigneur, lui disant qu'il veut marcher avec lui, et qu'il ne veut plus retourner dans le vieux monde. C'est la preuve même que vous êtes à lui, que vous lui appartenez, que vous marchez en conformité avec sa parole. Vous voulez continuer à le faire. S'il y a quelque chose, Dieu est plus grand que votre cœur, tournez le regard vers lui et il vous bénira. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Que le Seigneur, le jour où il fut livré, prit le pain, rendit grâce et le rompit en disant, ceci est mon corps qui est brisé, donné pour plusieurs. Que ce pain donc que nous brisons, après t'avoir remercié pour ta bonté, ton amour, puisse nous aider à prendre part à une de ces ordonnances que toi tu as données. Béni sois-tu pour ton amour et béni chacun qui prendra part et aide tous à prendre part. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lisez le pain, que chacun prenne un plateau et... Lisez le pain, je passe tout autour. Que chacun prenne un ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne
Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Inclinons notre tête. Père Céleste, encore une fois, nous te demandons venir sanctifier ce vin que nous allons prendre selon l'ordre que toi tu nous as donné par Jésus ton Fils. Que chacun en le prenant puisse considérer. Il y a une coupe de bénédiction qu'il prend part. Et non à une coupe de démons. Afin que nous puissions marcher d'une manière qui te soit agréable. Assiste-nous, Seigneur. Sois avec nous. J'allais longo na biso. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Ton Seigneur, on a combo la Jésus-Christ. Amen. Vanda.
Jean 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il est étrange que baptisé, ayant pris la Sainte Seine, si tu n'as pas eu le lavage des pieds, tu n'as pas de part avec lui. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Nous allons donc passer au lavage des pieds, parce que nous voulons tous avoir part avec le Seigneur Jésus-Christ, suivre l'exemple qu'il nous a donné, obéir à sa parole, et comme il a dit, si vous avez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ainsi, nous voulons les pratiquer, parce que tout dans l'Église doit être amené comme auparavant. Amen. Amen. Alors, pour quelques dispositions pratiques, que les frères qui sont entourés des sœurs aillent là où sont les frères, et que les sœurs qui sont parmi les frères aillent là où sont les frères. Que les sœurs se lavent les pieds entre elles et que les frères se lavent les pieds entre eux. Gagnons un peu de temps pendant que nous chantons un cantique. Kunamuji Kule. Faites le lavage des pieds.
Ne soyez pas trop spirituel. Là, prions pour l'autre, et puis prions encore pour l'autre, et puis prions à la fin, et puis prions pour se séparer. Jésus n'a pas fait tout ça. Pendant qu'on te lave les pieds, prie pour ton frère, et ça. Les gens sont parfois trop spirituels, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Que Dieu vous bénisse. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et si bango kobongi samposa nyonso malamba, si likomika bakate misala na bipengui, pona kosala misala nyonso na mbindo ndenge na ndenge sangani na lokoso na mosolo. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Kasi bino ezali bongo te nde bosila ki koyeko la Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, soko bobele boyoka ki epe soko engebene solo ezali kati na Yesu, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller kati na ye nde bosila ki kolakisama pona komipunja par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produit la vérité. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on prend la Sainte-Seine, il faut qu'une marche nouvelle dans la présence du Seigneur puisse trouver place afin que nous ne soyons point trouvés menteurs et que nous soyons de véritables chrétiens, car nous désirons être trouvés prêts pour le retour de Christ. Philippiens 2 verset 12. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Ce jour est très proche. Puisse donc chacun de nous être trouvé faisant la pleine volonté de Dieu. Peut-être que je lirai la dernière. Nous avons terminé dans le temps par la grâce de Dieu. Nous lirons dans 3 Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ceci est le souhait que nous avons pour vous tous. Que vos âmes prospèrent et que vous puissiez prospérer à tous égards. Ah, mais pour que vous puissiez servir à l'avancement du royaume de Dieu. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Paul a dit dans Galates, servez le Seigneur avec tout.
Paul a bien la tête, bon salut dans Colonna, non, sois allé à Bino. Et si Jean souhaitait que Gaius puisse prospérer en toutes choses, c'est parce qu'il connaissait la part que celui-ci prenait à l'œuvre de Dieu. Vous avez presque tous des montres. Et vous savez, on lit la montre, on lit l'heure en regardant les aiguilles. Les gens voient les prédicateurs. Ah, ils servent le Seigneur. Mais il n'y a pas moyen que les aiguilles bougent. Si la petite vis qui est à l'intérieur, là, cachée. Si la petite roue denté qui est derrière, qu'on ne voit à peine, qui ne fait même pas un gramme, qui ne fait même pas un centimètre de largeur, il suffit que cette petite roue se déplace, les grandes aiguilles célèbres qui sont en or ne pourront plus rien indiquer. C'est pour vous dire que si les prédicateurs peuvent prêcher, c'est grâce à vous. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Vous savez pourquoi vous n'avez pas dit amen? Parce que certains se rendent compte qu'ils ne prient même pas pour l'œuvre de Dieu. C'est à peine s'ils veulent y mettre la main. Et ce n'est pas un problème. Un seul verre d'eau que vous donnez à l'un de ses plus petits, c'est au Seigneur que vous l'avez donné. Amen. Amen. Je me souviens à ma conversion. Je vivais plus ou moins bien. J'avais lu l'histoire de Pierre. Qui disait, je n'ai ni or ni argent. Alors je dis, ah Seigneur, si je pouvais dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Comme je me suis retrouvé sans or ni argent, j'ai commencé à dire, Seigneur, si j'avais des milliers, j'enverrais des missionnaires sur le champ. Et puis un jour j'ai encore lu une prédication. Et là le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, Dieu n'a pas besoin de millions pour évangéliser le monde. Il n'a besoin que d'une âme totalement consacrée qui brûle, qui veut absolument faire entendre l'évangile. Il faut que cet évangile du royaume soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Peut-être que nous, on nous voit comme des aiguilles. Mais sans ces petites roues dentelées que vous êtes, nous, on ne pourra pas servir. Amen. Amen. Si je n'ai pas de vêtements repassés, comment pourrais-je venir ici pour prêcher? Je n'ai pas de vêtements lavés. Ils ne sont pas repassés. Je resterai dans ma chambre. Vous voyez que c'était un service qui est important. Chacun a une tâche. Que chacun trouve donc sa position. En d'autres termes, que chacun se laisse être positionné. Que celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, le fasse avec zèle. Vous voyez, chacun a quelque chose à faire. Alors ceux qui prient, mais qu'ils prient sans cesse. Priez pour nous afin qu'une porte nous soit ouverte et que nous puissions annoncer hardiment. Hardiment, avec toute force, l'évangile de Christ comme il se doit. Amen. Amen. Et ailleurs, il dit, je n'ai demandé le besoin de personne, le secours de personne. Il n'y a que vous, Philippiens, qui non seulement une fois, mais deux,
avait contribué. Donc chacun a une tâche. Ne restez pas oisif. Amen. Amen. Ne travaillez pas pour une assemblée. Aucune assemblée n'est morte pour vous. Ne travaillez pas pour un homme. Aucun homme n'est mort pour vous. Si ce n'est le Seigneur Jésus. Travaillez pour le royaume. Travaillez pour cette nourriture. Qui ne périt point. Amen. Amen. Alors il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Permettez-moi d'ajouter en ces temps 2002, comme prospère l'état de ton âme. Nos âmes prospèrent. Amen. Dans la chair, nous nous battons, mais notre âme prospère. Oh, il y a une lutte terrible dans notre chair. Mais notre âme prospère. Amen. Elle est en paix. Elle est auprès du Seigneur. Que dis-je? Nous sommes dans sa main. Inscrit dans la paume de sa main. Alors j'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Alors je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Bien-aimé, tu agis fidèlement. Écoutez, dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Là, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. 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 Nous, nous allons prêcher. Mais vous, vous êtes ouvriers avec nous pour la vérité. Alors, il y a un moyen de le faire. C'est ce que Jean vient de dire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu pourvoie à tout. Et ne laissez plus l'ennemi vous abattre inutilement. La victoire est certaine. Et longa ezali solo. La victoire est garantie. Et longa ezali pesameli. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'homme qui est né de Dieu a vaincu. Croyez-le. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Et voyez les autres comme Dieu les voit. Et soyez ouvriers avec les hommes de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu notre Père céleste. Nous sommes heureux. Tous les pour ces moments agréables que nous avons passés devant toi. Merci pour nous avoir ramenés à ces choses. Nous sommes heureux, Seigneur. Et nous disons que tu as fait pour nous de grandes choses. Tous les ton nom soit glorifié. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous avoir donné de célébrer cette fête avec du pain sans levain, de la vérité, de la pureté. Merci, Seigneur, pour ces
cette confiance que nous avons en toi. Tu as commencé l'œuvre. Et tu l'achèveras. Reposons sur cela, Seigneur. Notre victoire. C'est la confiance que nous avons en toi. Toi qui es fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Croyons. Quand nous tiendrons dans ta présence. Nous serons irréprochables. Nous serons sans tâche. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous aides de nous laver par l'eau de ta parole. Que nous nous débarrassions de toutes les saletés. Père bien-aimé, Tata Molingami, te prions de bien vouloir nous rendre conscients de ce que nous avons fait. Seigneur, nous nous appuyons sur ta grâce. Et nous te promettons d'aller tout notre chemin avec toi. Entraîne-nous après toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. En toute chose, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, donne-nous la vie selon ta parole. Affermis notre communion en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ. Fais pénétrer en nous la vision du corps de Christ. Fais pénétrer en nous la vision de l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous voudrons que ta main nous place là où nous devrions être. En tant que membre du corps de Jésus-Christ. Et jouer chacun pleinement son rôle par la force que toi tu sais nous communiquer. Merci car tous les malades sont guéris. Merci car tous les faibles sont fortifiés. Merci puisque tous les enchaînés sont rendus libres. Merci car c'est ta bénédiction qui nous enrichit. Merci car tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Jusque dans nos maisons. Jusqu'au jour de ton retour. Nous voudrons marcher la tête haute. Voyons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. À toi la gloire, la louange. Bénis tes serviteurs. Que tu les rendes capables de te servir. Donne-leur de te servir avec force. Avec efficacité. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué.